Merci d'être venu si vite. J'ai une mission de la plus haute importance. J'ai appelé ma panthère la plus importante. Voulez-vous une boisson importante? Je dois vous prévenir, Pinky. Cette mission n'est pas sans danger. Un danger dangereux? C'est possible. Et vous n'en tirerez aucune gloire personnelle. Ce sera boulot. Chaque heure durera au moins une heure et les nuits seront noires. Je ne crains pas le noir, inspecteur. Vous devriez le savoir. Vous aurez affaire à des hommes d'affaires influents, des politiciens habiles, tous âgés de moins de 10 ans. Plaît-il? Ils sont jeunes, très jeunes. Ce sont des enfants, mais pas n'importe quels enfants. Leurs parents sont diplomates ou présidents, révolutionnaires ou écologistes. Et ils sont mignons, très très mignons. Mais surtout, ils ont un point commun. Et c'est quoi? Ils sont intelligents. Très très intelligents. Vraiment? Les enfants sont notre avenir. À nous de leur apprendre à bien gouverner. Quelle perspective intéressante! Ces enfants sont la cible des terroristes! Votre mission est de les surveiller, de les protéger, de veiller sur eux. Du babysitting? C'est une mission diplomatique de la plus haute diplomatie, pas seulement un camp de vacances. Un camp de vacances? Vous m'envoyez dans un camp de vacances? Et pas n'importe lequel! Le camp Chili-Wawa! Chili qui quoi? Wawa! Wawa! Détendez-vous, inspecteur. Tout va bien. Au moindre problème, si ces enfants sont le moins du monde contrariés... Leurs riches parents piqueront une crise. Ce sera un outrage à leur pays. Et adieu à l'amitié entre les peuples. Ça pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Il n'y a pas une minute à perdre. Les enfants arrivent aujourd'hui au camp, chacun à bord de son jet privé. Et où est mon jet que je m'envole? Léger problème, nous n'en avons plus. No problemo. Donnez-moi l'adresse, je saurais bien y aller tout seul. C'est top secret. Personne ne doit savoir où se trouve le camp Chilihuahua. Pas même vous. Je vois. Et comment vais-je m'y rendre? Grâce à mon zapper magique. Ah non. Non, pas le zapper magique. Je déteste ça. La dernière fois, il m'a fallu 3 jours pour m'en remettre. Ma fourrure était tout ébouriffée. Je déteste être zappé. Je refuse catégoriquement. Je vous l'interdis. Il suffit qu'il y ait une distance suffisante entre nous. Je vous préviens. Je me vengerai. Oui. Quel camp de vacances extraordinaire! Je crois que je vais vomir! Hé! Hey. J'ai le mal de l'air! Je préfère le plancher des vaches! Si Dieu avait voulu que je vole, il m'aurait donné des ailes! Mais... De vraies ailes! Des ailes en métal, comme les avions! Oh. Pinky, bienvenue au camp Chilihuahua. C'est ici que se déroule la première conférence annuelle des enfants. Ils sont venus du monde entier pour promouvoir la paix universelle. Oui, je sais. Quel programme passionnant. Avez-vous rencontré ces enfants surdoués? Ils sont issus de cultures différentes, mais ils sont tous aussi intelligents les uns que les autres. Pas encore, mais je m'en réjouis déjà. Allez-y, faites comme chez vous et bienvenue parmi nous. Thank you.
Fun Smarty? Pinky, c'est moi, Fun Smarty, votre vieil ami. Je suis coincé. Désolé, Smarty. Je vais vous sortir de là. Vous êtes effectivement coincé. Pas de panique, je réfléchis. La copine du marteau. Et hop, dans la poche. Chose promise, chose due. Enfin libre. Dieu merci! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein, Mindfruit? Trop longtemps! Je ne savais pas que vous étiez là. J'ai fait de cet endroit un véritable paradis pour enfants! Attendez de voir toutes mes inventions magnifiques! Je m'étonne moi-même. L'aspirateur géant n'est qu'un petit exemple. Pourriez-vous remettre ces objets à leur place? Bravo, Pinky! Heureusement que vous êtes là! Ah, je vois que vous avez trouvé mes skates volants! Vous avez vu mon climatoscope? Non. Qu'est-ce que c'est? L'une de mes inventions les plus réussies! Choisissez une saison et hop! La neige recouvre tout! Il ne fait même pas froid! Merveilleux, n'est-ce pas? Je peux essayer? C'est épatant! Génial! Ah, au fait, voilà le code secret pour ouvrir la cave. C'était quoi, Simesbas? J'ai demandé à Pinky d'aller chercher de la confiture à la cave. Oui! Fêtons notre succès! Ne vous réjouissez pas trop vite. Je suis l'inspecteur du bureau des contrôles bâclés. Les PCB, fuyons! Nous sommes venus vérifier vos installations. Nous devons nous assurer que les enfants sont heureux et que vos équipements obéissent aux normes de sécurité les plus strictes. Nous sommes ici pour inspecter vos super gadgets hautement sophistiqués. Alors, on commence par quoi? Vous avez vu les skates volants? Qu'est-ce que c'est que ça? Un skateboard qui vole! Mais il y a un poids maximum autorisé. Ça m'a l'air de fonctionner parfaitement. Voilà, des pogo shoes. Des pogo shoes? Oui, des pogo shoes. Je vois, des pogo shoes. Très joli. Vous permettez que mes hommes les inspectent? Bien sûr, mais réglez-les sur débutant, c'est plus sûr. Débutant? Vous me prenez pour un amateur? Position expert, direct! Si vous insistez... Ça m'a l'air parfait, mais je vous préviens, au moindre problème, je ferme immédiatement le camp avant même que vous n'ayez le temps de dire... Où est Louis? Où est Louis? Eh bien, messieurs, nous voilà prévenus. Ne crâne pas la panthère! Je déteste les panthères crâneuses! Vous préférez les panthères idiotes, patron? La ferme! Mais, patron, j'ai rien fait! Qu'est-ce qu'il y a dans cette cave?
Des outils? Mais la porte est fermée à clé. Je n'ai pas encore trouvé le code pour l'ouvrir. Pas de code pour l'ouvrir? Je le note. Ça commence mal. Bon, allons chercher Louis, mais on se reverra. Ce type ne me dit rien qui vaille. Bien joué, Pinky. Je vais me retirer dans mes appartements pour réviser le manuel du bureau des contrôles bâclés. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Bonne idée. Je vais me faire un masque hydratant au kiwi. Ma peau est dans un état épouvantable. Pinky, si vous avez besoin de moi, je suis là. Merci, mais ne vous en faites pas, tout ira bien. Vous trouverez bien le temps d'une petite partie de pêche. Bonjour, je m'appelle Chionnet et je viens d'Égypte. Mon nom veut dire fille du Nil. Mon père est ambassadeur. Il s'appelle Adolfo. Les hiéroglyphes n'ont pas de secret pour moi et j'adore la vitesse. Bonjour, moi je m'appelle Pinky. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rose. Bouh, gla gla gla. Non, Wawa, Chili Wawa, comment tu t'appelles? C'est Yung Li, un étudiant de Pékin, surdoué bien sûr, comme tous les enfants qui sont ici. Et excusez-moi. Je m'appelle Indrani et je suis une femme libérée, d'accord? Je viens des Indes. Je crois à l'égalité entre les hommes et les femmes et je me battrai pour faire respecter mes droits. Je suis hindoue et j'adore la mythologie hindoue. Mon nom, Indrani, veut dire déesse du ciel. Vous savez où est Louboutin? C'est de là que je viens. Je suis bouddhiste et j'ai vécu dans un monastère. J'ai des amis dans le monde entier et j'espère m'en faire d'autres ici. Je m'appelle Kumoken. Je suis un aborigène d'Australie. Je n'ai que 10 ans, mais je suis un grand guérisseur. Je connais toutes les plantes. Mon totem est le crocodile. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle William, je suis anglais. Je suis un pacifiste, P-A-C-I-F-I-S-T-E. Et je traite toutes les créatures vivantes avec amour et R-E-S-P-E-C-T. J'aime l'ordre et la discipline. C'est mon premier séjour au camp, mais je vous en prie, pas de bizutage. Tu aimes la pêche? Vous tuez les poissons? Non, ne t'inquiète pas, on les remettra à l'eau. Mais l'hameçon doit leur faire mal! Peut-être, mais juste un peu. Comme une toute petite minuscule piqûre de moustique. Ils ne sentent rien. Aïe, 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 aïe! Oh, ça fait mal, et qu'est-ce que je vous ai fait? Ils ne sentent rien, hein? Je suis désolé. Ben, dis donc, ça vous plairait que je vous transperce le palais avec un de ces instruments de torture? Promis, juré, demain j'arrête la pêche. Alors, repentez-vous, Marot. M-A-R-A-U-D. Donnez-moi votre arme et je ferai en sorte qu'elle ne blesse plus jamais personne. Mon arme? Votre canne à pêche. Oh oui, bien sûr. Intéressant, mais dans mon pays, on ne fait pas comme ça. Oh, j'aimerais bien aller dans ton pays un jour. Je t'invite, tu peux venir chez moi quand tu veux. Ha 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 ha!
Voilà une belle journée de terminée. Bonsoir les gentils campeurs, il est l'heure de se coucher. Et n'oubliez pas la conférence de demain matin, Introduction aux cultures étrangères. Bonne nuit. Bonsoir Kumoken. À demain William. Dors bien Chionnet. Fais de beaux rêves Ananda. Tais-toi Yongli. Bonne nuit Pinky. Bonne nuit, dormez bien. Bonne nuit les petits enfants. Bonne nuit les petits. Ce n'était pas là hier. Pinky, venez vite. William est hystérique. Impossible de le calmer. Regardez, il est furieux. Furieux, F-U-R-I-E, furieux. William, qu'est-ce qui ne va pas? Taisez-vous, je déteste cet endroit, je déteste la nature, l'herbe et les lacs. Je vous déteste, vous et ce maudit camp Chiliwawa. Mais c'est impossible. Taisez-vous, je veux rentrer chez moi en Angleterre. Je déteste cet endroit, je déteste les P-O-I... Poids, vous avez choisi une question sur les poids et mesures. Non, les poissons! Laissez-moi tranquille, disparaissez! Je vous déteste tous! Qu'est-ce qu'il a? Oh, rien de grave, une petite allergie aux poissons. Mais, Pinky! Je veux rentrer chez moi! Je veux rentrer en... En Angleterre? Exactement! Il faut faire quelque chose, c'est une catastrophe. S'il rentre chez lui, l'inspecteur va fermer le camp. Et si on ne peut pas conduire Mohamed à la montagne? Amenons la montagne Mohamed. Qui c'est ce Mohamed? Occupez-vous de William. Je vous propose de me rendre en Angleterre et de ramener quelques cadeaux pour William. Je déteste cet endroit, je veux rentrer chez moi. Pinky, venez me voir avant de partir, j'ai quelque chose pour vous. Pinky, je vous ai concocté un ordinateur de poche, spécial voyage. Un ordinateur de poche? Et pas n'importe quel ordinateur, un PDA pour vous tout seul, petit, compact et rose, un Panther Digital Assistant. Un quoi? Un PDA. Il nous permettra de communiquer et vous fournira de précieuses informations sur les pays que vous visiterez. Il sait tout sur les derniers endroits à la mode. Combien m'offrez-vous pour cette petite merveille? Je n'en ai jamais eu. 10 000 francs? 20 000 francs? Nein, aujourd'hui, et rien que pour vous, c'est gratuit. Grâce au PDA, vous saurez tout sur tout, absolument tout, même ce que vous ne saviez pas que vous saviez. Votre PDA est un guide touristique à votre service 24 heures sur 24. Suivez les flèches et faites tourner la roue. Très facile à utiliser. Il suffit de cliquer sur les flèches pour choisir le pays qui vous intéresse. Cliquez sur les flèches pour choisir le sujet qui vous intéresse. Cliquez sur la grosse flèche verte. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, vous verrez apparaître une page d'information générale où vous attend un guide diplômé S-Tourisme. Cliquez sur l'une des icônes pour zapper sur une page d'information pratique. C'est ici que se trouvent tous les renseignements sur les pays que vous visiterez. En plus, chaque fois que vous cliquerez sur un objet avec le bouton droit, vous aurez droit à un détail informatif ou croustillant.
Quand l'icône de votre PDA apparaîtra dans le coin en bas à gauche de votre écran, vous pourrez cliquer dessus pour avoir de plus amples renseignements sur cet objet. Informations, renseignements, j'espère que vous n'oublierez rien. Croyez-moi, Pinky, c'est la plus grande invention depuis le fil à couper le beurre. Je n'aime pas cet endroit. Je veux rentrer chez moi. Je déteste tous ces étrangers. Indrani, je peux faire quelque chose pour toi? Approche un petit peu. Et voilà, je me sens beaucoup mieux. Merci. Je ne la reconnais pas. Vous n'avez pas l'intention d'y aller à pied, j'espère. Nous allons bientôt décoller. Nous sommes prêts à décoller. Veuillez attacher vos ceintures. Nous vous remercions d'avoir choisi Air Schmarty. Notre altitude de croisière sera de 12 600 mètres. Dès que le signal sera éteint, vous pourrez détacher vos ceintures. Vous voulez boire quelque chose? Oh, avec plaisir. Merci d'avoir choisi Air Schmarty.